Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 53 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Dans cet épisode vous verrez comment Siddharth sauve Durga d'une grosse arnaque organisée par Rajvir et Gafur. Kesar est innocenté, et Durga décide d'accepter Sid dans la famille. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Sid est contrarié après que son voyage à Dubaï a été annulé, car il devait représenter sa belle-mère lors d'une mission importante. Roshni essaie de le rassurer, en lui expliquant que ce n'est pas la fin, mais plutôt un nouveau départ, tout en plaisantant sur les danseuses du ventre de Dubaï, insinuant qu'elle ne l'aurait pas laissé partir seule. Sid la taquine en retour sur le fait qu'elle n'est ni canon ni sexy, déclenchant un jeu amusant entre eux. Leur complicité se termine avec une touche d'humour, Sid suggérant que Roshni pourrait faire une danse du ventre pour lui. Le lendemain, Sid reçoit un appel de son oncle Kesar, qui a découvert des informations inquiétantes. Un homme nommé Hussein, lié à Dubaï, a réservé une chambre d'hôtel sous le nom de leur société. Kesar a des soupçons sur cet homme d'affaires et Sid propose de trouver des informations supplémentaires à travers un contact. Pendant ce temps, Rajvir complote pour s'emparer de la procuration de Didi, prévoyant de s'enfuir à Dubaï pour prendre le contrôle de ses biens, tout en craignant que Sid ne découvre ses plans et les ruines. Sid arrive à la réception de l'hôtel et demande à Trisha de lui fournir le registre pour obtenir des informations sur un certain Hussein. Trisha lui confirme qu'un Gafur Hussein a réservé une chambre dans l'hôtel et lui remet une copie de la réservation. Pendant ce temps, au bureau, Durga est en pleine révision d'une clause contractuelle, tandis que Rajvir s'impatiente, se demandant pourquoi tout prend autant de temps. Sid, après avoir obtenu les informations, appelle immédiatement son oncle Kesar pour lui confirmer qu'Hussein est bel et bien dans l'hôtel. Il promet à son oncle de lui fournir tous les détails dans les 5 minutes suivantes. Trisha lui remet les informations qu'il attendait, et Sid la remercie. Rajvir, impatient, demande à sa tante Didi si la procuration est prête. Elle lui répond qu'elle aura besoin d'environ 10 minutes et lui conseille de préparer ses affaires en attendant. Pendant ce temps, Sid montre à son oncle Kesar la copie de la réservation obtenue. Il reconnaît immédiatement l'homme comme étant Gafur Hussein, qu'il a croisé la veille au restaurant. Kesar confirme qu'il connaît Gafur et qu'il a probablement des intentions malveillantes envers Didi. Kesar révèle que, lors d'une ancienne réunion d'affaires, Didi avait menacé Gafur, ce qui l'avait conduit à subir une énorme perte. Il pense que Gafur est maintenant revenu en Inde pour se venger. Sid, déterminé à empêcher Gafur d'agir, propose à Kesar d'aller immédiatement dans sa chambre pour l'intercepter. Cependant, Kesar l'arrête brusquement, en regardant quelque chose de préoccupant, il dit à Sid qu'il est peut-être déjà trop tard. Sid, surpris et inquiet, se retourne pour voir ce qui pourrait bien les empêcher d'agir à temps. Gafur, pressé de fuir, monte dans sa voiture et donne des instructions à son chauffeur pour partir rapidement. Cependant, le véhicule s'arrête brusquement, et Gafur, frustré, demande des explications. Le chauffeur lui signale qu'il y a quelqu'un devant la voiture. En regardant de plus près, Gafur voit Sid debout devant eux, bloquant leur passage. Lorsque Kesar rejoint Sid, Gafur, paniqué, ordonne à son chauffeur de foncer sur eux s'il le faut. Le chauffeur, surpris et réticent, refuse d'obéir à cet ordre violent. Sid tente d'ouvrir la portière arrière, mais Gafur la pousse avec force, frappant Sid et le faisant tomber. Saisissant l'occasion, Gafur s'enfuit à pied. Kesar accourt pour aider Sid et lui demande s'il va bien. Sid, bien que secoué, assure son oncle qu'il va bien et lui demande d'appeler la police pendant qu'il part à la poursuite de Gafur. Après une course intense, Sid finit par attraper Gafur et lui dit fermement que son jeu est terminé. Gafur est capturé juste au moment où la police arrive pour l'arrêter, mettant fin à son plan. Pendant ce temps, au bureau, Durga, concentré sur ses affaires, demande à quelqu'un de vérifier les documents de propriété et de revoir attentivement les papiers qu'elle a passés en revue, sans se douter des événements tumultueux qui se déroulent en parallèle avec Gafur et Sid. Rajvir est pressé de partir pour Dubaï et harcèle sa tante Durga pour qu'elle se dépêche de finaliser les documents de procuration. Cependant, Kesar et Sid tentent désespérément de les contacter pour les avertir du danger.
Rajvir ignore l'appel de Kessar, tandis que Sid s'inquiète de ne pouvoir joindre personne et accélère. Durga finit enfin par remettre la procuration à Rajvir, mais juste avant qu'il ne la prenne, Sid entre précipitamment dans le bureau et, sans hésitation, déchire les documents sous le choc de Durga. Elle est furieuse et lui demande des explications, mais Sid insiste pour qu'elle vienne avec lui. Malgré ses réticences, Sid la supplie de le suivre et lui annonce qu'elle s'est trompée à propos de Kessar. La police arrive à ce moment précis avec Ghafour, le vrai coupable. L'inspecteur explique que c'est Ghafour qui a volé les bijoux de Durga et qu'il prévoyait de les vendre à Dubaï. Grâce à l'intervention de Sid et Kessar, ils ont pu éviter une grosse arnaque. Durga, en colère, gifle Ghafour, lui reprochant sa soif de vengeance après leur dernière rencontre. Elle exprime son regret d'avoir douté des personnes proches d'elle à cause de lui et ordonne à la police de l'emmener. Ghafour, avant de partir, avertit Sid et Durga qu'ils ont un traître dans leur rang. Il laisse entendre que quelqu'un de leur entourage les trahit, jetant une ombre de doute sur Rajvir. Sid, troublé, se demande ce que Ghafour voulait dire. Pratima est ravie que Siddharth ait prouvé l'innocence de Kessar et prépare un dessert pour célébrer. Samira, cependant, semble indifférente et se plaint bruyamment de ne pas avoir reçu son thé vert, exigeant que Vinla s'en occupe immédiatement, ignorant les autres et leur enthousiasme. Roshni lui demande de faire preuve de patience, mais Samira réagit de manière agressive, insultant et commandant Vinla comme une domestique. Pratima, irritée par son comportement, lui fait une remarque, mais une cuillère chaude que Pratima tenait finit par brûler Samira accidentellement. Mona intervient, mais au lieu de prendre en compte la situation, elle défend Samira et accuse implicitement les autres de toujours critiquer elles deux, exprimant sa crainte d'être chassée de la maison. Pendant ce temps, Kessar annonce à Durga qu'il quitte Mimbe pour Junagadh afin de poursuivre son propre chemin et devenir indépendant. Il la remercie pour son soutien et ses enseignements, reconnaissant l'importance qu'elle a eue dans sa vie. Durga, émue, s'excuse de l'avoir mal jugée à un moment donné, mais Kessar rejette cette idée, affirmant qu'il lui doit tout. Sid soutient la décision de Kessar, expliquant à Durga que c'est une bonne chose pour lui de suivre sa propre voie. Durga, bien que triste, finit par lui donner sa bénédiction, lui souhaitant plein de succès et promettant de venir le voir une fois installé. Elle demande également à Kessar de présenter ses excuses à Rosham de sa part. Plus tard, Rajvir entre dans le bureau de Durga, s'excusant humblement. Il admet sa faute et comprend la déception de Durga après avoir failli compromettre la société en collaborant involontairement avec Ghafour. Il assure qu'il n'était pas au courant de la rivalité entre Ghafour et Durga. Malgré ses excuses, Durga exprime sa frustration, soulignant que sans l'intervention de Siddharth, la société aurait pu être perdue. Elle ne souhaite pas que Rajvir essaie de se racheter, lui demandant de la laisser tranquille. Après que Rajvir soit parti, Durga appelle Siddharth dans son bureau. Elle exprime sa gratitude envers lui pour avoir su anticiper la trahison et lui fait confiance. Elle lui confie une mission cruciale, récupérer ses biens hypothéqués, qu'elle a mis en gage pour refaire les bijoux, faute de fonds suffisants. Siddharth accepte la responsabilité, assurant qu'il veillera à tout régler. Il se dit que tout n'est pas encore revenu à la normale. Il reste préoccupé par les paroles de Ghafour concernant un traître au sein de leur famille. Il promet de découvrir qui, parmi eux, est déterminé à ruiner la famille, mais préfère épargner Durga de ce souci pour l'instant. Raj parle avec sa femme Simran et lui demande de signer des documents importants concernant un projet de sa société. Raj révèle qu'il veut nommer leur plus gros projet en l'honneur de leur fille Kritika. Simran, touchée, exprime son admiration pour la générosité et l'humilité de Raj, en particulier parce qu'il considère Roshni, leur belle-fille, comme une fille à part entière. Raj mentionne également qu'il a prévu de donner une part de la société à Roshni, soulignant qu'elle est comme une deuxième fille pour eux. Simran est d'accord avec cette décision, mais cette conversation est observée par Kritika. Elle se sent trahie et pense que Raj essaie de manipuler sa mère pour donner une partie de la société à Roshni. Kritika se sent lésée et décide de ne pas rester passive. Elle est déterminée à ne pas renoncer à ce qu'elle estime être son droit, et elle planifie de se venger en causant des problèmes à Simran et à Siddharth. Sid, inquiet après la libération sous caution de Ghafour, demande au commissaire des explications.
le commissaire lui explique que Gafour a été relâché sur décision de son avocat et que le tribunal n'a pas eu d'autre choix que de le laisser partir. Sid est frustré et se demande qui a payé la caution. Rajvir, de son côté, parle à Gafour, lui exprimant son mécontentement tout en confirmant qu'il a payé la caution de Gafour. Rajvir ordonne à Gafour de rester discret et de laisser son avocat gérer la situation. Gafour, reconnaissant pour la caution, menace cependant de révéler des secrets sur Rajvir s'il le souhaite. Rajvir, agacé, répond en soulignant que c'est Sid, et non lui, qui a contribué à l'arrestation de Gafour. Il demande à Gafour de disparaître silencieusement et lui reproche de ne pas se rendre compte que Rajvir pourrait également être en danger. Gafour, en fin de compte, prévient Rajvir qu'il n'est pas hors de danger et qu'un jour, Sid pourrait aussi s'en prendre à lui. Rajvir répond qu'il reviendra bientôt, laissant la situation encore tendue et instable. Rajvir, en colère, gronde l'avocat de Gafour pour sa décision de le faire libérer sous caution, le blâmant pour permettre à des criminels de rester en liberté. Sid, qui arrive juste à temps, intervient et demande à Rajvir ce qu'il fait là. Rajvir explique qu'il voulait parler à Gafour pour comprendre ses intentions et découvrir qui d'autre pourrait être impliqué dans les arnaques. Il promet de retrouver Gafour grâce à ses contacts et de revenir plus tard. Sid, troublé par les dernières paroles de Gafour sur un traître parmi eux, se précipite pour rejoindre Roshni à l'ONG, après avoir reçu un appel de sa part. Durga, réfléchissant sur ses erreurs passées, se confie à Nani en lui exprimant des regrets sur son jugement à l'égard de Siddharth. Elle admet que Siddharth a montré une véritable préoccupation pour le bien-être de la famille et a agi de manière décisive pour éviter une grosse erreur. Durga propose d'organiser une cérémonie de mariage pour Siddharth et Roshni pour lui donner officiellement sa bénédiction, une idée que Nani approuve chaleureusement. Pendant ce temps, Siddharth arrive à l'ONG et est accueilli par Roshni avec un chaleureux câlin. Il remarque que l'ONG est joliment décorée et s'interroge sur l'occasion. Roshni lui exprime sa gratitude pour avoir sauvé son oncle Kessar et lui témoigne son amour et son admiration, en soulignant à quel point il mérite une place dans la famille pour ses actions et son dévouement. Les enfants de l'ONG, amusés par la situation, demandent à Siddharth et Roshni de s'embrasser sous le gui, une tradition qu'ils ont apprise à l'école. Roshni, surprise, corrige le terme « buisson » en expliquant qu'il s'agit d'un gui. Siddharth, avec son humour habituel, se moque gentiment en faisant semblant de confondre le mot avec un prénom. Encouragés par les enfants qui chantent, Sid et Roshni finissent par échanger un bisou. Pendant ce moment de légèreté, Kritika observe la scène avec une jalousie croissante. Elle se sent trahie par sa mère qui semble favoriser Roshni et son frère. Kritika, amère, décide de se venger, convaincue que tout ce qui appartient à la famille doit être à elle seule. Elle prépare déjà ses plans pour faire payer à Roshni et Siddharth leur bonheur apparent. Siddharth, tourmenté par les paroles de Gafour et les inquiétudes soulevées par Rajvir, se trouve incapable de dormir. Les accusations de Gafour, évoquant un traître parmi eux, résonnent dans sa tête, ajoutées à la tension de l'incertitude quant à savoir qui pourrait être impliqué. Roshni, inquiète pour lui, le trouve éveillé et lui demande ce qu'il fait debout si tard. Siddharth, gêné par son insomnie, explique qu'il a du mal à trouver le sommeil. Roshni l'encourage à se coucher, et il accepte finalement d'aller au lit avec elle, même s'il reste préoccupé par les dangers qui pourraient les menacer. Siddharth reçoit un appel mystérieux d'un contact qui lui confirme qu'il a suivi ses instructions. Le contact révèle qu'il est toujours sur place, et Sid demande l'adresse de l'endroit. Il apprend que c'est un lieu peu recommandable, mais le contact promet de lui envoyer l'adresse par message. Sid, inquiet par les déclarations de Gafour concernant un traître dans la maison, est déterminé à découvrir la vérité. Il se dit qu'il doit absolument identifier ce traître pour protéger sa famille. En attendant le message, il prépare son plan pour se rendre à cet endroit et résoudre le mystère. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.